Salut à tous, c'est Philastre, et on se retrouve aujourd'hui sur un jeu totalement inédit, enfin un petit jeu assez rigolo. Il s'agit d'Iron Snoot. Donc on a un petit cochon et on doit tuer des loups. Et c'est parti. Contrôle basique donc. On tape sur le côté droit. On peut récupérer les objets des loups et les tuer avec. Et on peut faire des figures assez stylées comme ça. Alors il est simple mais il est quand même assez dur. Je commence à perdre du bacon en haut à droite déjà. Voilà, donc les loups ils sont armés de plusieurs trucs, plus ou moins méchants. Et il s'agit juste de survivre quoi. Et quand ça avance, ça devient un sacré bordel quand même. C'est quand même la première fois que je vois des loups qui avancent avec des fusées. Et un cochon qui se bat aussi bien que ça. Bon, c'est quand même bientôt la fin pour moi. Il reste plus qu'un bacon. Donc on peut voir en haut à droite mon record qui est de 76, sachant que les meilleurs sur le jeu ils sont à plus de 900. Et je suis mort à 70. Donc il y a deux modes de jeu, celui-là avec 10 vies et un autre avec juste une vie, qui est beaucoup plus compliqué. Parce que si on est touché une fois, on meurt. Voilà, donc au bout de 6. Je retente une fois pour dépasser mon record qui est 18. Du coup c'est un jeu un peu rageant comme Flappy Bird et tout ça. Mais un bon défouloir. Voilà, donc on voit quand même que le cochon il en veut. Et j'ai réussi à égaler mon record, c'est déjà pas mal. Et je l'ai dépassé. En arrivant à 23. Donc en ce moment, comme mon PC est un petit peu en galère, je peux jouer qu'à des petits jeux comme ça. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je fais qu'y jouer depuis que j'étais chargé, depuis hier, je crois. Si t'as apprécié ce petit jeu et la petite vidéo, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, tu peux même commenter, tu peux même partager la vidéo. Tu peux nous rejoindre sur Facebook, Twitter et YouTube. Et à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!